Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Il était un pasteur baptiste et un militant des droits civiques. Son combat pacifique pour l'égalité et la justice raciale a eu un impact profond sur l'histoire américaine et lui a valu une reconnaissance internationale. King est devenu une figure majeure du mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960. Il a été inspiré par les idées de désobéissance civile et de non-violence de Mahatma Gandhi, ainsi que par sa propre foi chrétienne. Il a joué un rôle crucial dans de nombreuses actions et campagnes pour l'égalité raciale, notamment le boycott des bus de Montgomery en 1955 et la marche de Selma à Montgomery en 1965. Le discours le plus célèbre de Martin Luther King est son discours « I have a dream, je fais un rêve » qu'il a prononcé lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté en 1963. Ce discours a eu un impact considérable sur l'opinion publique et a contribué à la promulgation de la loi sur les droits civiques de 1964, qui interdisait la discrimination raciale. Malheureusement, le 4 avril 1968, Martin Luther King a été assassiné à Memphis, dans le Tennessee. Sa mort a provoqué une vague d'indignation et a conduit à des émeutes dans de nombreuses villes américaines. Cependant, son héritage et son message de paix, d'égalité et de justice ont continué à inspirer des générations de personnes à travers le monde. Martin Luther King Jr. est devenu un symbole de la lutte contre la discrimination raciale et un défenseur des droits de l'homme. Son travail a ouvert la voie à des progrès significatifs dans la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. Aujourd'hui, il est largement honoré et célébré, notamment par la journée fériée du Martin Luther King Jr. Day, observée chaque année le troisième lundi de janvier aux États-Unis. Après la mort de Martin Luther King Jr. Son héritage a continué d'influencer la société américaine et le mouvement des droits civiques. Ses idées et ses efforts ont inspiré de nombreux autres militants à poursuivre la lutte pour l'égalité et la justice. La mort tragique de King a été un moment critique dans l'histoire américaine. Cela a suscité une prise de conscience de l'ampleur de la discrimination raciale et a contribué à mobiliser davantage de personnes pour lutter contre cette injustice. Les réalisations de Martin Luther King Jr. ont été reconnues à titre posthume. En 1977, il a reçu à titre honorifique la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis, et en 1986, le Martin Luther King Jr. Day est devenu un jour férié national, marquant ainsi une reconnaissance officielle de son impact sur le pays. Le message de Martin Luther King Jr. a également dépassé les frontières des États-Unis. Son combat pour les droits civiques a influencé d'autres mouvements de libération dans le monde entier. Son engagement en faveur de la non-violence et de l'égalité a inspiré des générations de militants pour les droits de l'homme, les droits civiques et la justice sociale. Martin Luther King Jr. reste une figure emblématique dont l'histoire et les idées sont étudiées dans les écoles et universités. Son discours, « I have a dream », est souvent cité comme l'un des discours les plus mémorables de l'histoire et sa lutte pour l'égalité raciale continue d'inspirer les générations actuelles et futures. En résumé, Martin Luther King Jr. était un leader charismatique et un fervent défenseur des droits civiques. Son travail et son sacrifice ont joué un rôle crucial dans l'avancement de l'égalité raciale aux États-Unis. Son héritage continue de nous rappeler l'importance de la justice, de la non-violence et de la poursuite de l'égalité pour tous.